Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes rendus dimanche et puis c'est ça va super bien, il fait super beau, gros soleil, il fait 35, il fait très chaud, il est rendu à peu près 1h30 d'après-midi. Aujourd'hui j'ai pris ça pas mal relax, c'est un dimanche donc j'ai pris ça mollo et puis là je pensais peut-être aller me promener mais il fait vraiment très chaud. Je me demande ce qu'on peut faire à 35, aller marcher. Ici, il y a beaucoup de côtes. C'est chaud rapidement, mais ça peut faire du bien juste 1 heure. Je pense qu'on va aller prendre une petite marche, 1 heure. Puis on va voir comment ça va se passer. Puis moi, je pense que ça va être une bonne idée. On va y aller comme. Peut-être pas tout de suite. Là, je vais peut-être me faire un café. Je pense que je vais aller refaire mes ongles. Parce que là, je les aime pas. Là. C'est. Fait que je vais aller faire fondre mes capsules. Là. Puis je vais aller faire mes ongles. Fait que c'est pas mal ça, là. Je vais me faire mon petit café. Et puis, je vais vous revenir tantôt. Si je fais quelque chose, si je vais me promener quoi que ce soit, je vous reviendrai. Comme ça, je vous ferai. Je vais vous emmener avec moi. Donc, vous allez pouvoir participer à la sortie avec moi. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous reprends dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Puis sinon, c'est ça. Dès qu'il y a quelque chose de. Je te reprends. Salut tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je sais même pas si je t'ai souhaité la bienvenue. Je sais même pas si j'ai vlogué. Mais là, on est dimanche. Puis, je t'ai mis mon petit vlog en ligne. Donc, tu iras voir ça si tu l'as pas vu. Et puis, c'est ça. Là, il fait 35. Puis, on a décidé de prendre une petite marche avec Jack, moi et mon chum. Fait que, on est juste dans notre quartier, comme tu peux voir. Rien de. On est quand même bien. On n'a pas à se plaindre. Une belle température. Il fait chaud, mais. Calice, c'est l'été. Bon, on est avec Jack et Dew. Jack se promène. Il fait chaud, les gars, les filles. Les garçons, les filles avec. Fait que. On est en route vers chez moi. On n'est pas loin. On est comme à 5 minutes de chez nous. Et puis, Jack et Dew, lui, il sent tout ce qui se passe. Tout. Et puis là, tu vois, il y a un beau soleil bleu. Jack, il est heureux. C'est tout de plus. Pourvu que Jack est heureux, mais on n'a pas été capable de faire le chemin qu'on voulait faire parce que c'est trop chaud. Jack, tu voyais qu'il était. Il trouvait sa poche un peu. Fait qu'on avait rien de bord. On a fait juste une petite bulle. Moyenne bulle. Puis là, on s'en va vers le home. Bon, anyway, les filles, je voulais vous montrer un petit look. Je vais vous le montrer, mais là, j'ai pas mon micro. Gars, là, ça fait comme 5 minutes que je le cherche. Tu manges la merde. Vous allez m'entendre avec ce son-là. Fait que je voulais vous montrer le petit look que j'avais fait à soir. Et j'ai fait ce petit look-là. Il est super beau. Je l'ai fait un peu avec ma robe. Je me suis inspirée un petit peu de ma robe. Je vais te montrer la robe que je me suis achetée chez Urban Planet. Je l'ai payée 5$. Elle est super belle, tu vois. Très belle. Donc, le maquillage présente comme ça. Puis j'ai fait un liner, tu sais, avec le mascara, là. Je sais pas si on voit bien. Je pense que oui, hein? En tout cas, j'aime bien ça. Et je vais te montrer, ma robe. Petite robe comme ça, fendue sur le côté. Comme ça. Genre, en tout cas, je vais essayer de te montrer dans le miroir. Mais j'aime bien ça, avec la petite perruque, avec mes cheveux naturels, je faisais un peu dur. Et puis, voilà, je suis bien contente du look. Fait que le micro, j'ai aucune calice d'idée. Où je l'ai mis, mais j'espère le retrouver. En tout cas, il doit être quelque part dans la maison, ça c'est sûr et certain. Fait que moi, je vais ramasser, c'est ça, je vais faire mes petites affaires, je vais vous conclure la soirée de dimanche, puis on se revoit demain pour une nouvelle semaine de vlog. Ciao! Coucou tout le monde! On est rendu lundi, et oui, et puis il fait super beau. Une belle journée encore qui va commencer, il est quand même midi, je pense. Je vais aller voir l'heure. Il est 11h05, fait que je m'en allais prendre ma petite marche avec Jack Boy. Fait qu'on va aller prendre notre petite marche parce qu'il annonce quand même 33 en après-midi. Donc, tu comprends que je ne vais pas marcher quand il fait trop chaud non plus. Surtout avec Jack. Jack, il faut qu'il se promène quand c'est frais. Puis là, il fait 21. Fait que let's go. On part. Bon, les filles, on est en train de faire une petite marche avec Jack. Je sais pas si tu vois bien. On est rendu là. On est rendu à l'église. Puis c'est ça, fait super beau. On est vraiment bien. Je sais que demain, il annonce la pluie, mais ça, c'est demain, on s'en fout. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Fait que, mais là, pour le moment, on est super bien, puis faut en profiter, c'est ce que je fais. Et puis, c'est ça, je suis avec Jack, parce que, comme je t'ai dit tantôt, quand j'étais à la maison,
Tu sais, marcher quand il fait trop chaud, c'est pas le fun. Surtout pour les chiens qui ont les petites pattes sur l'asphalte. C'est chaud. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'on enjoy, on est bien. On est très bien. Oups! Fait que je vais te laisser, je vais continuer ma petite life. Puis on se revoit. Tantôt! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Nous sommes rendus mardi et aujourd'hui dans mon petit coin de pays, il mouille! Fait que c'est, il fait 18 dehors, il annonce, je pense, c'est 24. Fait qu'il annonce pas hyper chaud, mais on va être bien pareil. C'est un peu humide, c'est normal, il mouille. Mais grosso modo, c'est pas mal ça. Et puis voilà, aujourd'hui, je me suis habillée d'un petit One Piece comme ça. Pour que tu vois bien. C'est ton petit One Piece short avec des petites manches longues. J'aime bien, la seule affaire que j'haïs, c'est que tu sais, faut que tu déboutonnes ça si t'as envie d'aller aux toilettes. Mais pour le reste, pas si pire que ça. Fait que c'est pas mal ça, les filles. Aujourd'hui, c'est une nogue. Je vais te montrer un peu la température. Comme tu peux voir, là, tu sais, il n'y a pas le gros soleil, il n'y a rien de ça. On entend même la pluie. Puis, on est bien dans le véranda, par contre. On est à l'abri de la petite pluie. Tu vas entendre un peu la pluie tomber. Fait que c'est ça, c'est pas mal tranquille aujourd'hui. Bien, Kakimo, tu sais qu'on n'a pas une journée extrêmement mouvementée. Il n'y a pas trop de marche dans ça là, mais je voulais aller au magasin. Parce qu'il faut que j'aille m'acheter une éponge. Non. Une fleur de douche. Parce que je me suis acheté du body wash, ma fleur de douche que j'ai dans la douche est plus bonne. Fait que là, je vous en rajoute une nouvelle, tu comprends? Donc, voilà ça. Puis, je veux aller voir Winners. Là. Je veux une petite palette. Là. Je veux quelque chose. Il mouille. Je veux peinturer ce soir sur mon tronche. Fait que c'est pas mal ça. Et puis, ben ça, je vais revenir un petit peu plus tard. Parce que là, c'est tranquille, puis j'ai plus rien à dire. Puis j'ai mon petit Jackie Doo ici qui est bien tranquille sur le divan. Oui, mon petit homme, je t'aime. Salut les filles, les gars. J'ai été chez Dollarama. Et puis, j'ai acheté des petits trucs pas mal le fun. Et je suis quand même impressionnée. Fait que j'avais le goût de te montrer ça un petit peu dans le vlog. J'ai été, parce que j'avais une fleur de douche à aller m'acheter. Là, c'est pas ça que je veux te montrer. Là. Mais j'ai été dans le petit coin où il y a les trucs pour les affaires pour s'entraîner, là, les cordes à sauter, tout ça, blablabla. Et j'ai acheté un ensemble. Ça, j'ai trouvé ça, là, vraiment, quand je l'ai déballé, tu vois, quand je vais te montrer ça, là, ça vaut vraiment la peine parce que dans les magasins d'exercice ou les affaires comme ça, là, tu sais, les magasins de sport, ils vendent ça un bras, ces petites bandes-là. Puis ceux-là, ils sont vraiment, c'est pas de la merde, là. C'est de la marque BK. C'est le Beauty Resistance Bands. C'est le Fit Circuit. Qui est super, c'est des bandes super résistantes, super résistantes. Et dedans, tu as trois sortes de bandes, tu as trois niveaux de résistance. Fait que ça se présentait dans un emballage comme ça, puis c'était 4$. C'est pas cher, là, gars, là, 4$. Là, attends, mais je te montre ce qu'il y avait dans ce sac-là. Là. Ça vaut vraiment la peine, cours chez Dollarama. Va pas chez Sport Expert acheter ça, là, tu vas te faire fourrer. Ou ailleurs, là, tu sais. Et l'emballage présente comme ça. T'en avais qui se vendaient aussi individuellement, tout seul. Et je te montre ce qu'il y avait dans le sac. Premièrement, dans le sac, moi j'ai tout mis ça là, dans, tu vas voir. Là. Il y avait, ça venait avec un petit sac comme ça. Premièrement, t'as un petit pocheton comme ça dedans pour mettre tes bandelettes. Et ça se présente sur trois sortes de bandes, comme ça dit très bien. Et regarde, t'as la première ici. Qui est fluo. Oh, pas l'air. J'ai une sacrée claque à mon. Peut te revoler, hein. Regarde comment ils sont belles. Ça, c'est de 15 à 30 livres. Je comprends pas trop. Ça, c'est un small. Je comprends pas trop. Là, c'est quoi? Médium de 20 à 40 livres. Puis la noire, c'est large. 35-60 livres. Et regarde les bandelettes. Sont vraiment super belles. Ça, ça se détache pas. Là. C'est vraiment cousu comme ça. Ici, tu as le nom de la marque. La grosse bandelette, là, gars, je vais te montrer de proche. Là, c'est tout en gros, gros tissu. Tu peux les laver. Et vraiment, c'est top of the top. Comme je te dis, il y a trois résistantes. Elle a l'air assez pas pire. Ensuite, on a la noire, la large, 35-60 livres. Ça, ça a l'air hyper tough. Là. Ça a l'air vraiment, là, il y a une crise de bonne résistance. Je ne sais pas. La seule que j'ai testée, je pense, c'est elle. Je pense que c'était elle la plus molle. En tout cas, je me souviens pas laquelle, il y en a une que j'ai testée là-dedans. Là, je pense que c'est la fluo L. C'est comme la plus facile. Et c'est la small. Et ensuite, tu as la médium.
qui est une bande orange. Donc, moi, je suis hyper satisfaite. Fait que tantôt, dès que je finis ma vidéo, c'est ça que je m'en vais faire, des petites bandes. Et puis, je me suis acheté aussi des petits pois. Et t'avais chez Dollarama, je vais te montrer l'étiquette. C'est toujours chez Dollarama en passant. Ça venait comme ça dans un... Et en passant, j'ai pas fini. En passant, ça venait avec un livre, là, la chose de résistance. Les booty résistance, ça vient avec un petit livre probablement. Ouais, t'as tout plein. Hey, j'ai bien fait de regarder. Hein. Ça vient avec tout plein d'exercices. Fait que ça, tu gardes ça, puis tu t'entraînes. C'est super bon, là. Tout ça, le regarde dans le petit livre. T'as tout plein d'exercices. Ils vont dire quelle bande utiliser, blablabla. Et puis voilà, c'est super le fun, vraiment contente. Et ensuite, les petits pois se présentent comme ça. Moi, j'ai acheté les deux ensemble. C'était comme ça, là, attaché, là. Et ça se vendait 4$ pour le paquet comme ça de deux, là. Et c'est des pois pour la marche. Ben, moi, je les utilise. Je ne vais pas les utiliser pour la marche. Je vais les utiliser pour faire des petits exercices. C'est une livre chaque. OK, c'est pas beaucoup, mais au pire, je peux travailler avec les deux. Regarde, t'as une belle petite manche comme ça. Et tu peux mettre les deux si tu as envie de travailler. Moi, je trouve que deux livres, là. Moi, je suis rendu à 50 ans. Je suis pas là pour faire du bodybuilding. Je suis juste là pour pas que ça devienne trop mou. Tu comprends-tu? Tu es en vieillissant. On perd un peu de poids, la ménopause. Moi, là, je panique bien gros sur la ménopause parce que je veux pas prendre de poids. Je sais que quand on est rendu là, c'est plus difficile. La peau relâche plus rapidement. Tout devient plus rapidement. Tu sais, faut pas que tu te laisses aller, puis je veux pas me laisser aller. Je veux quand même bien vieillir. Je veux une peau dure, c'est important pour moi. Je veux être en forme. Je veux bien paraître le plus longtemps possible, OK? Même quand ça va être, tu sais, on met nos chances de côté. C'est pas juste pour le physique, oui, c'est important, mais c'est aussi pour le mental, très important. Et sinon, t'en as qui se vendent des deux livres. Et un, c'est 4$. Mais moi, je trouvais que ça, si j'en ai besoin de plus pesant, ben j'irais m'acheter ceux à 2 livres. Tu comprends? Mais hey, des poids comme ça, là, 4$, pense-y, là. Je suis sûre que tu vas chez Sport Expert, tu t'achètes ça, là. C'est pas 4$, là, je te jure. Puis en dedans, c'est... Hey, c'est parfait pour faire de la ASMR. Je vais même faire de la ASMR avec ça. C'est cool, hein? Et anyway, c'est comme du sable qu'il y a dedans. Moi, je trouve ça parfait. Hyper contente, les filles. Je suis vraiment, vraiment contente. Puis comme je te dis, ça vient avec le petit pocheton. Fait que si t'as envie de t'en aller avec tes petits pois ou une petite bandelette, tu mets ça là-dedans, puis tu mets ça dans ton pack-sac. Tu t'en vas avec ton petit livre. Let's go. Tu fais tes exercices. La vie est belle. Puis je pense que j'avais rien d'autre à te montrer. Hein? Non, j'avais absolument rien d'autre. Ensuite, c'est quoi j'ai acheté? Une fleur de douche. Et une petite palette de chocolat. J'ai racheté, il y avait chez 2$, 2 pour 1$. Deux palettes de chocolat pour 1$, voyons. Les biscolata. Les duo max. À la noisette. T'as deux palettes comme ça, là, pour 1$ chez Dollarama. Elle est délicieuse, vraiment, ça ressemble beaucoup à Bueno. T'as aussi du Bueno chez Dollarama, mais ça goûte... Moi, je te dirais que ça goûte plus elle au Nutella. Je sais pas si t'as goûté celle au Nutella qui avait sorti. Moi, j'avais goûté, j'avais fait un petit test de goût avec ça. Je l'avais trouvé très bonne, je préfère Bueno. Mais celle-là, elle goûte beaucoup, elle goûte beaucoup celle Nutella. Donc, voilà les filles, je pense que je vais vous closer ma journée d'aujourd'hui qui est toujours mardi, parce que là, il mouille toujours, ça a comme pas changé, là. La température, elle reste toujours stable. Demain, il annonce beau, fait que c'est cool, je vais pouvoir aller marcher, je vais pouvoir sortir un peu, présenter mon nez dehors, ça va être cool. Et puis, bon, c'est ça, fait que d'ici la soirée, là, on est comme après souper, je vais aller faire mes exercices. Après ça, je vais aller me démaquiller, puis ensuite, je vais aller m'égraser dans mon lit, je vais aller écouter... des affaires, puis je vais tomber endormi. Fait que je préfère te mettre... À moins qu'il arriverait quelque chose d'extraordinaire. S'il arrive quelque chose d'extraordinaire, je dégaine. Mais sinon, on se voit demain, qui est mercredi. Déjà mercredi demain, imagine. Fait que c'est ça, on se voit demain. S'il arrive quelque chose, ben, on verra. Salut, salut tout le monde! On est mercredi. Et hier, j'ai été faire un petit tour chez Wonders avec ma fille en fin de soirée. Je sais pas si je l'ai dit, je pense que oui, je sais pas. Aucune idée, je m'en souviens pas, puis j'ai pas regardé les vidéos. J'ai acheté quelques petites affaires chez Delo. Fait que je vais te montrer ce que j'ai acheté, toi, c'est pas pire. Bon, ok, j'ai été chercher ce que j'avais acheté. Donc, je vais te montrer ça. Hier soir, dans la journée, je t'avais montré des affaires d'entraînement que j'avais achetées. Ça, c'est quand j'étais, moi, là, je m'en souviens. Ça, c'est moi qui avais été en journée. Mais là, j'ai retourné après le souper avec ma fille. Aujourd'hui, ça a été tenté d'aller au Dollarama. Fait qu'on y est retourné. Ben, j'y ai retourné. Et là, j'ai acheté chez Delo ça et ça. C'est une serviette pour cheveux à 3,50 $. Ça, c'est la touchez-moi, tu peux la toucher, tout ça. Elle est dans une boîte comme celle-là. Elle est trop belle. Check ce qu'elle a l'air. Là, je l'ai mis aussi. Elle est très grande. J'avais acheté à un moment donné une qui était un peu chipette, puis elle n'était pas tellement grande. Mais là, elle est vraiment grande, puis elle est trop belle. Elle se présente comme ça. Je l'ai utilisée à matin.
Regarde, c'est un petit chien. Comment il est cute. Et puis, tu vois, elle est quand même grande, là. Fait que tu peux mettre quand même assez de cheveux, là. Tu sais, moi, j'ai pas beaucoup de cheveux, là. Ça allait bien. Mais si t'as plus de masque à moi, c'est sûr, ça va bien. Comme ma fille, ça en a acheté une aussi. Et super de qualité. Elle est belle. Je vais aller m'en acheter d'autres. Fait que ça, c'est un coup de cœur pour moi. Je suis très, très contente de cette petite affaire-là. Ensuite, j'ai racheté ça. Tu le sais, dans d'autres vidéos, je t'ai présenté ces produits-là. Si t'as l'habitude de suivre mes vlogs, bien sûr. Sinon, ben. J'ai acheté ces produits-là de la marque de cream au Dollarama. T'as lui, et t'as la bouteille verte. Ouais, la bouteille verte. Et, ben moi, j'ai à chaque fois que j'y vais, j'en achète deux parce qu'ils n'en auront pas tout le temps. Parce que cette marque-là de cream, si tu connais pas, c'est des produits coréens. Et puis, sur le site de cream, ça coûte 12$ ces produits-là. Sur Amazon, c'est 9$. Puis chez Dollarama, ben c'est 3$. Fait que ça vaut vraiment la peine, vraiment. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est des eaux de beauté là, que tu utilises soit après t'avoir maquillé ou avant pour rafraîchir ta peau et hydrater. J'aime vraiment ces deux produits-là. Ça, j'en utilise un en ce moment. Là. J'aime vraiment beaucoup. Je vais mettre ça à terre. Ensuite, ça ici, c'est une chandelle. Là, la chandelle est dehors. Là. Je l'ai laissée dans ma véranda. Mais je vais te montrer. Tu vois l'étiquette, tout ça. Là. C'est de la marque Luminite Color Changing à la citronnelle. C'est une petite chandelle citronnelle. On ne l'a pas achetée pour les moustiques parce qu'on est dans une véranda. Il n'y en a pas de moustiques. Mais parce que c'était cute. Elle se présente dans un petit contenant comme ça. Puis quand que la mèche fond, ben, c'est supposé devenir tout plein de couleurs comme ça. Éventuellement, je vais te la montrer. Je vais te la filmer tantôt. Puis si ça change de couleur, ben, je te montrerai ça. Comme ça, on pourra savoir si ça marche ou si ça marche pas. Ensuite, j'ai acheté quoi? Je pense que c'est tout. J'ai acheté aussi ça. Des petits collants d'Halloween. Moi, j'aime beaucoup. Ceux-là, je les trouve beaux. Ils sont 3$. Je les trouve super beaux. Regarde, il y a des petites toiles d'araignée derrière tes jambes. Puis, ben moi, je suis comme ça, moi, dans le temps de l'Halloween, j'aime me déguiser, j'aime ces affaires-là, fait que je suis bien contente, 3$ quand j'ai vu au Dollarama, là, j'en avais tout plein, mais celui-là, je l'avais pas, fait que c'est celui-là que je vais mettre, je vais faire des belles photos avec ça. Donc, voilà, c'est pas mal ça, les filles, et pour en venir, j'ai acheté ça aussi, une Kindle, regarde comment elle est belle, elle est tellement belle, c'est en métal. Elle est tellement belle. Elle était 3$. Puis c'est Château français. French Château. Ou Kindle français. Check là. Vraiment super belle. Je trouve ça vraiment très, très, très beau. Là. Tu sais, tu peux le garder. Tu peux mettre des bijoux, toutes sortes de choses. Tu peux faire ce que tu veux. Ça sent très bon. J'essaye un peu de me rappeler ce que ça sent. Ça sent tellement bon. Ça doit sentir assez fort parce que tu vois, l'odeur est présente. Ça sent trop bon. J'ai hâte de tester ça. Donc, je vais l'allumer ce soir dans ma chambre. Je vais peut-être même l'allumer après-midi. Fait que je vais la mettre de côté. Je pense que je vais l'allumer tantôt. C'est une petite journée un peu sombrette. C'est pas tellement beau dehors. Là. C'est Jack s'énerve. Tu sais, c'est pas full, 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 full beau. Je sais pas pourquoi Jack y jappe. On va aller voir. Il y a peut-être quelqu'un. Non, ça doit être du monde qui marche dans la rue comme d'habitude. Et puis, c'est ça, ben aujourd'hui, c'est une journée, hein, je vais te montrer un peu par la... Je vais aller ici, par la window. Tu sais, il n'y a pas de soleil. Fait que, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de soleil pour le moment, fait que moi, je prends ça relax. Et puis, voilà. Là, je vais mettre ça sur pause, puis je te reviens tantôt. Donc voilà, people, j'ai décidé de faire brûler la petite chandelle, vous dire ce que j'en pense. C'est le petit château français. Donc, je donnerai des nouvelles de l'odeur. Puis ça, c'est elle qu'on a achetée, que je t'ai montrée, qui change de couleur. Tu sais comment c'est cute dans un contenant vite, super cute. Et puis, une petite poignée. T'enlèves le petit couvert, t'allumes. Bon, une main, j'y arrive pas, là, mais... T'as juste à l'allumer, puis à force de brûler, elle va changer de couleur. Je vous reviens sur la chandelle que j'ai achetée au Dollarama, la Château français. Bon matin tout le monde. Il y a deux écureuils dans ma cour. Ils sont toutes cute.
Ils sont tout le temps dans ma cour, ils jouent ensemble, ils s'amusent. Ça se peut que le son soit un peu pourri parce que j'ai pas plugué le micro, j'ai dégainé rapidement. Je voulais te montrer mes petits écureuils. Ils sont tout cute! Les gars, ils jouent. Ça doit être en tout cas, ils ont l'air à se connaître, ça c'est sûr, ils s'aiment beaucoup. Check les jouets, comment ils sont cute. Ils jouent tout le temps comme ça ensemble. Tous les jours, je les vois. Ils sont trop, trop beaux. Fait que c'est ça, je te souhaite une belle journée. Là, je vlog comme ça en vertical parce que, bon, je voulais te montrer les écureuils. J'ai dégainé vite, fait que quand tu dégaines vite, ça va mieux comme ça. Puis, je n'ai pas plugué mon micro parce que c'était vite fait. Mais je vous souhaite une belle journée. On est rendu jeudi. il fait beau. Et puis, il annonce chaud. La fin de semaine avec. Fait que c'est pas perdant tout. J'étais avec Jack. Il est où, Jack? Jack, il est là. Ah, c'est Jack. Fait que c'est ça qui est ça. Là, je m'apprête bientôt à aller me promener. Puis je vais laisser Jack ici parce qu'hier, ils m'ont abandonné dans le milieu de ma marche. Puis là, ça me tente pas qu'ils me fassent ça aujourd'hui. Fait que je vais partir tout seul. Ça fait un bout que j'ai pas parti tout seul. Ça me fait du bien. Fait que voilà. Je te revois ton pot sur le chemin. Fait qu'on a Ben ici qui fait le fou. Salut à tout le monde. Je vous emmène avec moi pour la marche quotidienne. Donc, notre marche qu'on fait toujours ensemble, qu'on fait depuis un Christy bout. Depuis le début du printemps, je vous emmène avec moi. Fait que rien d'extraordinaire, mais la température est vraiment extraordinaire, fait vraiment beau. C'est juste parfait. Un bon vent, rien de frais, mais bien. Tu n'es pas en train de mourir ta vie. Il est encore tôt, il est 11h30. Puis là, j'ai pas oublié d'emmener mon. Le son devrait être pas grave. Sinon, je croyais qu'avec les écouteurs, j'ai dans les oreilles, ça l'enregistrait bien. Le son, mais pas du tout. Pas du tout. Fait que c'est pas mal ça. Ben ça, je vais continuer ma petite marche. Et puis, je vous revois quand on est rendu à la série. Les filles, il y a tellement des belles fleurs. Je sais pas si tu vois bien, mais c'est trop beau. J'aime tellement marcher ici sur le long de la rue parce que c'est super beau puis il y a plein de petites fleurs, des champs, il y a beaucoup d'arbres, il y a des pommiers, il y a beaucoup de pommiers aussi. Puis c'est beau, j'aime bien ça. Et puis là, je t'avais d'arriver chez nous, je suis encore sur la grande route où il y a l'église. Là, je suis en direction de chez moi. Fait que j'aimerais arriver peut-être. En 15 minutes, on verra. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi et je monte des chandelles. Ouais, j'ai allumé des chandelles parce qu'on est le soir. C'est ça, on est rendu le soir. J'ai pas vlogué de la journée parce qu'il a mouillé toute la journée. J'avais pas le goût de vlogger. J'avais comme rien à dire non plus. Comme je te dis, c'est une journée... C'est une journée où, tu sais, on dirait que Dame Nature est comme bipolaire, là, tu sais. Puis elle nous rend bipolaire aussi. Parce que, tu sais pas, tu sais, il y a des moments, il faisait super beau. Il y a des moments, il y avait de la pluie. Il y a des moments, c'était gris, gris, gris. Après ça, le soleil, la pluie en même temps, les arcs-en-ciel, c'était très... C'était une journée, tu savais pas trop quoi faire de ta peau. Fait que j'en ai profité, moi, pour faire un petit make-up. J'ai fait un maquillage, j'avais aimé ça. J'étais tellement dans les patates que quand j'ai fait le maquillage... Je me suis même démaquillée. J'étais tellement déçue. J'ai fait des photos, je les ai mises sur Instagram. J'ai une perruque fluo. Puis j'en ai une avec une perruque rousse, mais avec le même maquillage que la peinture, que le maquillage fluo, là, la perruque fluo. Je voulais tellement vous montrer le maquillage, il était tellement beau.
Mais je me suis démaquillée, puis là, j'ai fait « fuck, j'ai oublié de lui montrer le maquillage ». J'étais très déçue. Puis ça m'est arrivé avec deux make-up cette semaine. Deux beaux make-up que j'ai faits, mais si tu me suis sur les réseaux sociaux, t'es vu, là. Mais, anyway. Donc, voilà. Fait que là, je t'ai installée. Il est même tard, là. Je sais même pas quelle heure qu'il est, je vais te dire ça. Il est 8h28. Tard. J'ai l'impression qu'il est minuit, à la façon dont je parle, là. Mais il est pas si tard que ça, là. Mais il est quand même tard pour moi. Et puis, j'étais avec ma belle Charlotte dans le lit. Puis, imagine-toi donc que hier, j'ai donné le bain à Charlotte. Fait qu'elle est toute propre. Elle sent toute bonne. Elle est toute belle. J'avais fait des petites couettes avec des petits papillons. Mais on les a enlevés. Elle en a perdu un, fait que j'ai enlevé l'autre. Puis là, en ce moment, ben, il mouille. Il a commencé à mouiller. Je sais pas si t'entends la pluie tomber. Mais il a commencé à mouiller. Puis, ça. Moi, je vais aller. J'ai des petites vidéos à écouter. Fait que je vais aller me mettre à jour dans une petite vidéo que j'ai pas écoutée. Puis, je voulais écouter une émission de Netflix. Là, j'ai fini d'écouter McAfee. Tu sais, le gars qui a inventé les antivirus, là. J'ai commencé une nouvelle émission qui est super bonne. Ça s'est passé en France. Je me souviens plus c'est quoi le nom, là. C'est super bon, là. Ça se passe à l'affaire d'enlèvement qui est arrivée au Mexique avec une Française, Valeria, qu'elle s'appelle, quelque chose comme ça, là. Puis, anyway, j'ai commencé à l'écouter, là, puis elle serait accusée d'avoir enlevé des gens avec son copain, là. Que lui, il avait un cartel d'enlèvement, là, puis il enlevait des gens au Mexique, parce que c'est un Mexicain, puis il demandait des rançons. Puis si la personne ne donnait pas la rançon, ben il éliminait la personne. Fait que j'écoute ça, c'est bon, mais j'étais un petit peu fatiguée. Je sais pas si je vais être capable de suivre. Parce que bon, je suis fatiguée. Fait que moi, je te reviens demain. Demain, c'est samedi. Demain, je m'en vais me promener avec les chiens. Ils sont super beaux. Fait que ça va être le fun. Fait que je vais aller me promener avec les toutous demain. Fait que je vais t'emmener avec moi, c'est sûr. On va finir ça en beauté, ce vlog-là. Et puis, bon, c'est ça. Là, je vais aller me détendre, me faire... je vais aller me pogner le cul dans mon lit, là. Fait que je te revois demain. Ciao! Salut tout le monde! Nous sommes rendus samedi, et oui, et quand même 1h13 de l'après-midi. Non, 1h03 de l'après-midi. Il fait pas... il annonçait super beau. Ben super beau, c'est pas vrai. Il annonçait correct. Mais il annonçait plus de soleil que ça, donc je suis un peu déçue parce que, dans le fond, il n'y a pas de soleil du tout, mais... c'est comme nuageux. Mais là, on s'en va au botanique. On s'en va se promener avec... il y a Jack là, puis il y a Ben dans ce coin-là. Charlotte, comme tu sais, elle vient pas parce qu'elle déteste. Elle a peur de tout. C'est un chiot. OK? Si tu sais pas c'est quoi un chiot, c'est un chien mélangé avec un chat. Fait qu'elle est plus chat que chien. Elle aime ça être à la maison, tranquille. Ça court, son patelin. Dès que ça sort du patelin, no. Fait que ça, si on s'en va se marcher, on s'en va marcher, puis après ça, ben, on va revenir à la maison. Fait que je vais vous montrer ça là-bas comme d'habitude. À plus. On est avec Ben au botanique. Ben est en train de faire son territoire. Puis Jack, lui, il est sage, il attend. Ben, on va y aller. Fait qu'on est au botanique, comme d'hab. On est bien. Le soleil est en train de se pointer à l'horizon, fait que ça devrait être bien. Prenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Oh, ici, il y a une bête, la bête féroce, la bête sauvage. Oh, gros Bennou! Bennou, Bennou, la bête féroce, la bête féroce. Salut tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Nous sommes toujours... on est samedi. Là, je suis un petit peu triste. Tantôt, j'ai été me promener avec Ben puis Jack. On était au botanique avec mon chum, mais j'avais fait des beaux vidéos. Puis quand j'étais arrivée à la maison pour faire le montage, j'ai réalisé que j'avais pas fait des vidéos, j'avais fait des rafales de photos. J'avais là, des milliers de photos dans mon cellulaire, là, c'était fou, là. Toutes des rafales, il y en avait plein, c'était assez malade. Fait que vous n'aurez pas la promenade au botanique, malheureusement, c'était très agréable, il faisait quand même une journée agréable aujourd'hui. Je sais pas, j'étais rendu où dans mon vlog, j'ai pas écouté, j'étais rendu où, ça me tentait pas.
Mais vu que je ne vous ai pas emmené au botanique, je ne vous ai pas dit, je sais que la suite, elle n'a pas été faite. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Fait que moi, je me prépare pour conclure le vlog de cette semaine. Je vais vous faire le montage et je vais pouvoir enfin le publier parce que, comme je vous ai dit tantôt, j'avais fait des rafales de photos au lieu de faire des clips. Fait que ça a tout foqué à patente. Et puis là, ben, je conclue cette semaine de vidéo avec vous autres pour commencer un nouveau vlog demain dimanche. Et puis, voilà. Je te laisse là-dessus en espérant que tu aies enjoyé ce vlog. Tu as des commentaires, ben, tout est indiqué dans la barre descriptive, les liens TikTok, tout le kit. Et puis, je remercierai les nouveaux qui se sont abonnés sur mon Facebook. Il y a des gens qui se sont abonnés sur mon Instagram, sur mon TikTok. Donc, merci beaucoup de me suivre dans mes folies que je fais sur les make-up que je réalise sur Facebook et puis les folies que je réalise sur TikTok. Fait que c'est pas mal ça, guys. Je vous laisse et on se revoit dans un prochain vlog. Ciao!